Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, plaisir énorme d'être avec vous aujourd'hui. Restez jusqu'au bout de la vidéo. Je vais annoncer le grand vainqueur de ma formation que j'offre pour vous remercier infiniment pour les 1000 abonnés. D'ailleurs, tiens, je prends encore 2 secondes pour vous remercier. Ça me fait un plaisir absolument énorme. Tous les gens qui m'appellent, d'ailleurs, tous les jours, vous pouvez réserver votre appel. Tous les gens qui m'envoient des messages. Enfin bref, c'est juste de la folie. Je tenais à vous remercier du fond du cœur. Restez jusqu'au bout de la vidéo. J'annonce le grand gagnant. Ça va être de la folie. Là, tout de suite, vidéo très très rapide. Je vais vous parler pourquoi est-ce que tu préfères les petites cotes et pourquoi il faut absolument, absolument arrêter bébé. C'est parti. Ok, avant de tout, comme d'habitude bébé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu cherches de la value, si tu cherches des bonnes infos, si tu cherches à vraiment gagner de l'argent et je dirais même plus changer ta réalité. C'est ici que ça se passe bébé, Football Training Academy, je te laisse t'abonner à la chaîne, c'est de la folie, je sors des vidéos toutes les semaines, enfin bref, c'est contenu de dingue atomique. Bref, je te laisse t'abonner, on n'en parle plus, c'est parti. Ok, cette vidéo va être liée à 350% au leg goal, d'accord, 350% au leg goal, pourquoi? J'ai constaté, je le savais déjà un petit peu, mais là vraiment, je l'ai vu de mes propres yeux ébahis, cette addiction aux petits codes, cette addiction aux petits résultats rapides en fait. Et c'est pour ça que je vais vous en parler, ça va prendre 2 minutes. Il faut arrêter en fait, il faut arrêter toujours aller chercher cette constante gratification et je pense que c'est pour ça que la plupart d'entre vous, et encore une fois, je comprends, j'ai été là également, d'accord, j'ai commencé comme ça aussi, que la plupart d'entre vous sont accros à toutes ces petites codes, sont accros à cette dopamine, vous savez, à ce plaisir instantané. Et par exemple, sur le groupe du Lego, en octobre, on a fait à peu près 40%, c'était absolument magnifique. D'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre, je ferme les inscriptions, bébé, demain soir, 20h, tu ne pourras plus rentrer pour le week-end. Donc voilà, je vous invite vraiment à nous rejoindre. Le mois de novembre a été un peu plus calme. Ce week-end, j'ai déjà fait les analyses, ça va être une dinguerie absolue. Pas photo, ça va être une dinguerie. On va remonter ça, bébé, en mode Everest. Folie, bref. J'ai reçu des messages au mois d'octobre de gens qui souhaitaient arrêter. Et je leur dis, d'accord, il n'y a pas de problème, je t'arrête tout de suite, bien sûr. Dis-moi juste, est-ce que ça ne va pas? Est-ce que tu n'as pas pu prendre les traits? Est-ce que tu n'as pas gagné? Si, j'ai gagné de l'argent, mais psychologiquement, c'est trop dur pour moi. Psychologiquement, c'est pas bon de gagner du bif. J'étais un peu égaré, tu vois. Non, mais en fait, je préfère quand il y a plus de gagnants que de perdants. Alors en fait, le principe de la stratégie, pour ceux qui ne connaissent pas les goals, c'est qu'on a besoin d'un tout petit taux de réussite pour être en positif. On a besoin de 17% de gagnants pour gagner de l'oseille in fine. Donc en fait, quelque part, le nombre de perdants, on s'en fout un petit peu, d'accord? On risque 1 pour gagner 5, 6, 7, 8, 9, 10 potentiellement, d'accord? J'ai pris par exemple un trade samedi soir sur le Milan AC, cote à 10,5, d'accord? Pour un but en fin de match. C'est de ça dont je vous parle, d'accord? C'est de ça dont je vous parle, c'est de la folie. Mais psychologiquement, ces personnes m'ont envoyé un message, m'ont dit « Je préfère quand ça gagne souvent. » Donc en fait, beaucoup de gens préfèrent, et encore une fois, j'attaque personne, beaucoup de gens préfèrent avoir des petits résultats constants qui, in fine, vont te faire perdre de l'oseille, d'accord? Parce que malheureusement, ce n'est pas avec les petites cotes que tu gagneras de l'argent, ce n'est pas avec les petites cotes que tu deviendras riche. Plutôt qu'avoir un taux de réussite légèrement inférieur et changer ta réalité. Et voilà, je me suis confronté à ça et je tenais juste à vous faire un petit rappel dans cette vidéo en vous disant sortez de tout ça en fait. Je sais qu'il y a énormément de pronostiqueurs, tous ceux qui font des combinés avec des cotes à 1,07, tous ceux qui proposent des stratégies de merde, et je suis désolé, j'ai pas peur des mots, des stratégies de merde, du drone au bet en pariant sur le favori à domicile. Drone au bet, si un match nul, ton pari est annulé, d'accord? Si le match perd, tu perds de l'argent. Par contre, si le favori à domicile gagne, tu gagnes. Ok? Super, on se dit, magnifique, c'est safe. Pour une équipe comme le PSG, par exemple, quand ça joue à domicile, la cote du drone au bet, victoire du PSG à domicile, je pense sans m'avancer, qu'elle est à 1,03, 1,04, bébé. Tu mets 100 balles pour gagner 3. Ça veut dire qu'il faut que 30 fois de suite minimum, 33 fois de suite d'ailleurs, ça gagne. Par contre, s'il y a un seul perdant, terminé, merci, au revoir, négatif. En fait, il faut se rendre compte d'une chose, c'est de la dope, d'accord? C'est de la merde, tu vas perdre de l'argent. Et d'ailleurs, je suis sûr que si tu es là, si tu ne nous as pas encore rejoint et si tu es là, regarde cette vidéo, tu te dis,
C'est vrai, si je tenais un bilan vraiment sérieux de tous mes paris, de tous les funds, de tous les combinés, etc., sur le long terme, pour 99% d'entre vous, t'es perdant en fait, t'es perdant. Si tu veux changer ta réalité, change quelque chose. Si tu veux vraiment avancer, fais un pas dans une autre direction. Vers là où tu vas, malheureusement, ça ne marche pas. C'est prouvé, c'est une certitude mathématique, c'est statistique. Tu veux gagner de l'oseille? Va sur les grosses cotes et encore une fois, c'est pas de la promo pour moi, que ce soit avec moi ou sans moi. D'ailleurs, quand je reçois des mails de personnes me disant, putain, j'ai pris telle cote, j'ai pris telle. Est-ce que tu fais partie du gros délire? Non, magnifique, Mazel Tov, félicitations à toi. C'est de la folie. Voilà, ça me rend extrêmement heureux. C'est pour ça que j'offre une formation, notamment pour vous dire merci et bravo à vous. Bravo à vous pour cette audace, bravo à vous pour saisir les opportunités. Putain, je trouve ça fou. Voilà, je trouve ça fou. Je suis désolé, je suis un peu passionné, mais je trouve ça magnifique. Et encore une fois, bravo, bravo, bravo à vous. C'est uniquement grâce à vous. Si moi, j'ai pu être la petite étincelle, bébé, qui fait que tu te dis, peut-être temps de changer quelque chose. Mission accomplie. Mission accomplie, bébé. Ouais, j'ai encore parlé pendant trois plombes, beaucoup plus que prévu. On arrive déjà au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment pour ma part. Comme d'habitude, je me suis régalé, je me suis éclaté. Roulement de tambour, c'est parti. Nicolas Scoffler. Nicolas Scoffler, j'espère, et si c'est le cas, je suis désolé, j'espère que j'écorche pas ton nom. Félicitations à toi, tu as gagné ma formation. Je te laisse m'envoyer un petit message en réponse à ton commentaire, d'accord? Ou mettre un commentaire sous cette vidéo, tout simplement. Je t'envoie les accès, je t'envoie les codes, bébé. C'est de la folie, tu commences à gagner de l'oseille. T'es aujourd'hui, mon pote. Voilà, écoutez, les amis, c'est magnifique. Encore une fois, du fond du cœur, merci à vous pour tout. Merci pour les abonnés. N'oubliez pas, encore une fois, de rejoindre le groupe du Light Goal. Rejoignez le groupe du Light Goal. Ce week-end va être fou. Quand je vous dis qu'il va être fou, il va être incroyable. Si tu veux gagner de l'oseille, si tu veux en profiter, c'est maintenant que ça se passe. Bébé, les inscriptions ferment demain à 20h heure française. C'est maintenant un petit cac. Bref, les amis, c'est là-dessus que je vous laisse comme d'habitude. Faites attention à la position. Bon trading. Faites de l'oseille.